nga bañu daqla nenan la ko bangal giya tay nango tali turkiya nga jotel banga dem ne kale aujourd'hui une politique doit s'adosser à un modèle économique. Le modèle économique que nous avons tourne autour de ce qu'on appelle les FIC. Les FIC, ce sont des fermes intégrées communautaires. L'idée nous est venue d'un constat que nous avons fait. Les femmes de la commune ont l'habitude de quitter leur domicile à 5 heures du matin pour aller travailler dans des champs qu'on appelle guana, qui sont détenus par des étrangers. Ils sont payés 2500, 3000 francs le jour. Ils quittent 5 heures du matin et reviennent à leur maison 22h, 23h. Nous avons dit, notre programme, c'est de créer pour ces femmes des fermes intégrées communautaires où ils pourront faire beaucoup mieux au niveau de ces goanas. Ils y feront le maraîchage, ils y feront de l'arboriculture à haute valeur ajoutée, notamment la papaye. Savez-vous qu'un hectare de papaye, 2500 plants, vous rapporte entre 60 et 75 millions. On y va. Yigay mom yombul dundugi jafena jigen ni demuti masen tionoy jigen te usine ba notamela fiko